2010 sera l'année où le monde a découvert une nouvelle maladie terrifiante qui s'est répandue plus vite que la grippe. Ce méchant virus s'est transformé en épidémie, mais bizarrement, ne touche que les filles. Les docteurs l'ont appelé la fièvre Bieber. Et vous savez ce qui est le plus étrange? Tout le monde semble l'avoir attrapé d'une toute petite star, Justin Bieber. Comment ça s'est passé? Crispy a enquêté autour du monde sur ce phénomène, cette fièvre Bieber. Ça a commencé de manière anodine, quand Katy Perry a embrassé Justin Bieber. C'était suffisant pour que la chanteuse n'ait plus envie de kisser les girls. Pauvre Russell Brand. Ensuite, notre fièvre est allée attaquer son hôte, le Biebernator en personne. À la télé, live, quand on lui a demandé ce que signifiait le mot German, allemand, il a dû reconnaître qu'il ne savait plus. Ensuite, ça a été au tour des médias qui n'ont pas été capables de comprendre pourquoi le minuscule chanteur canadien ne voulait pas parler de son tatouage. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas bien épelé son nom, Sting? Mais la Biebermania a surtout failli être fatale à Kim Kardashian. Elle a reçu de vraies menaces de mort à cause d'une photo de Justin et elle à la Maison Blanche. Et pareil, après un photoshoot avec le chanteur Atomic un peu dénudé sur une plage des Bahamas. Mais finalement, le summum de l'épidémie, c'était quand la police américaine a débarqué en force dans un bar et l'a arrêté elle. Just parce qu'elle ressemblait à Justin. Sauf que lui est un garçon de 16 ans et elle, une fille de 27 ans. Et oui. Vraiment, on se demande quand et comment s'arrêtera cette épidémie.